Donc je mets la lumière. Vous savez que je suis dans la lumière. Que la lumière vous encourage à sortir du trou là où vous avez été. Que la lumière du Seigneur vous illumine. Bien contre tout découragement qui vous a frappé, toute idée noire qui est venue encombrer votre esprit. Soyez tombé sur mes vidéos. Mon numéro de téléphone, c'est le 237-693-50-2266. Donc 237-693-50-2266. Ce que vous enseignez ici, ce n'est pas, je prends très rarement mes enseignements chez d'autres personnes. Je parle par inspiration. Attendez, je vais vérifier quelque chose. J'ai laissé. Ça vaut pas la peine. Si je vais voir la chose, ça va me distraire. Je vois quelqu'un devant la porte. Je préfère que la personne parte. Ok. J'ai reçu une choisie ici hier. Le problème que les ancêtres avaient avec elle, c'est que elle supplie beaucoup les gens. Elle ne sait pas qui elle est. Merci l'éclaireur. Elle ne sait pas qui elle est. Elle passe son temps à demander aux gens. Et tu vois, quand tu prends ta force, je vous dis souvent ça dans mes vidéos, tu prends ta puissance, tu la donnes à quelqu'un. Voilà, c'était un peu le cas avec elle. Attendez, je dois marquer dans le groupe qu'on a en direct. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, que quelqu'un te voit, tu n'as même pas 500 francs sur toi. Et il te dit, ah, n'est-ce pas, tu as l'argent, dépanne-moi. Toi, dans ton esprit, je te dis, mais attends un peu. Moi, c'est moi qui devrais te demander l'argent. Parce que l'énergie que vous reflétez, il est temps que vous puissiez, bonsoir Franck, comment tu vas le mignon? Il est temps que vous, like, you know, step up. Tu dois entrer dans cette énergie. You have to live up to what people think of you. Is that okay? Vous devez vous élever à la mesure de ce que les gens croient que vous êtes. Oh, tu penses que je suis riche? Oui, effectivement, je suis riche. You think I'm rich? Of course, you should. Je sais pas si vous voyez un peu. Et je vous ai dit que votre puissance vient de votre aptitude à dire non. Karine, bonsoir. Non, Mélissa, le mot essayer ne fait pas partie de mon vocabulaire. Quand je pose avec quelqu'un, je donne mes instructions. Si tu me dis, je vais essayer, je ne travaille pas avec toi.
You must do. Tu dois faire. Tu n'essayes pas. Tu essaies avec qui? Et si tu continues d'essayer, je te bloque. Je ne travaille pas avec les essayeurs. C'est vous qui venez au magasin, les gens, vous mesurez les choses, vous n'achetez pas, vous partez. Dès que j'arrive, je venais seulement essayer les vêtements. Non, c'est une grâce. Non, c'est un art. Ça t'ancre. Il y a quelqu'un ici là, tu es en train d'apprendre à dire non dans ta vie. Donc, c'est comme si tu naissais de nouveau. Je suis belle, merci Lola. T'es gentille. Ça demande une belle personne pour reconnaître une belle personne. Donc, merci. T'es gentille. Il y a une sensation. Ça t'est déjà arrivé? Tu envoies l'argent à quelqu'un. Hein? Et tu lui envoies une capture d'écran de ton paiement. Et il voit ton solde de compte. Ça t'est déjà arrivé de recevoir une capture de paiement de quelqu'un. Et tu vois le solde du compte de la personne. Il t'a payé 5 000, il lui reste 550 000 dans son compte. Tu te sens comment? Répondez-moi s'il vous plaît. Tu te sens comment? C'est normal ce que tu ressens. Cette frustration-là, c'est normal. Maintenant, il faut... Moi, ce que je ressens, c'est... Pourquoi tu ne m'as pas envoyé plus? Moi, c'est ce que je ressens. Ça t'est déjà arrivé? Tu te casses pour aider quelqu'un. Tu te casses. Tu envoies l'argent à la personne pour qu'elle parte faire son anniversaire. Hein? Il te reste 5 euros dans ton compte. Et le jour-là, tu... Donc, quand la personne te demandait l'aide pour l'anniversaire, tu croyais que la personne allait faire un anniversaire minimal, minimaliste, comme tu fais souvent pour toi. La personne va sortir la limousine. Oh, la personne va mettre des grosses fleurs. Un bouquet de fleurs avec les 10 dollars dans le bouquet. Quoi? Comment tu te sens? Mal, n'est-ce pas? Que donc, pour ma part, je pars, je fais l'anniversaire à 20 000. J'achète un petit gâteau, je souffle une bougie. Toi, tu pars faire l'anniversaire, l'anniversaire de 4 millions. Et je cotise dans ton argent, je donne 100 000. Tu dois t'habituer à avoir. Et on ne te stresse pas. Paye ton loyer en avance, chérie. Tu pars pour négocier. J'ai arrêté d'essayer de négocier les bails quand je prends. Hein. La personne arrive, il dit, c'est comme si dit, dis-le. Il dit, ouais, pardon. Je sais que vous aimez ça. Ouais, pardon. Ouais, maman, tchao, maman. Il faut prendre même 6 mois, là. Ouais. Ouais, tchao. Cherchez l'argent pour ton cap. Chai, tu as mis sur ton profil Facebook parti aux Caraïbes. Hey, on a de détester. Clovis, bonsoir. Ouais. Quand vous venez même vous supplier pour acheter mes produits, je vous dis que pardon. N'achetez pas. Mes produits vont rester ça. Je vais, voilà mon étagère, voilà mes produits là-bas. Je regarde, ça me plaît. On se regarde, on se plaît. Oui. Ah, tu as pris 2 sachets de sel à Ouaga. Ah, c'est super. Ouais, maman, voici mon dernier 100 francs. Ouais. Hein?
Pourquoi? Pourquoi? Clo-Clo, bonsoir. Tu arrives, la personne dit, je veux 10 mois, 2 mois de caution. Tu dis, c'est tout, monsieur? C'est tout? Ok. S'il vous plaît, que je vous exorcise de l'esprit de supplication. J'ai dit que quoi? Je vous exorcise de l'esprit de supplication. Le mot ouais doit partir de ta bouche. Pardon. Kabataka shakari bobo suta lebro koto robo shokota libra kashantele lebo shikata rababo shikati lebo sonto robo she. Tout enseignement que tu es en train d'écouter qui te fait rentrer dans l'esprit de supplication. Tu n'es pas arrogante, chérie. Ah, tu veux nous montrer que quoi? N'est-ce pas, tu as jusqu'à ce que tu vas donner aux orphelins. On voit comme tu es parti faire un don de 15 000 dans un orphelinat. Tes tantes sont en une bosse dans les trucs. N'est-ce pas, tu as, ah, donne-moi aussi, non. Ta grand-mère qui est ma mère est morte, je suis orpheline. L'ironie. Ils ne connaissent pas là où tu vas. Toi, tu connais là où tu vas. On va vouloir que tu prononces les mauvaises paroles sur toi-même. On va vouloir que tu parles mal de toi. J'étais avec un de mes comptables un jour là. Il m'envoie son assistant. L'assistant dit, oh, en tout cas, est-ce que ça va même? Est-ce que depuis que vous avez ouvert là, ça marche? Il dit, ça marche, papa. Ça marche. Ça marche. Tu veux le parfum attirance? Commence à dire de celle-là même 2 jours. Après, tu reviens prendre le parfum. Il y a le parfum Waga. Ça marche? Je suis en train de vous le deuxième? Dans la même ville, en l'espace de 6 mois? Ide Waka. Ide Waka. Le titre de ma vidéo, c'est quoi? Je vous ai dit que quoi? Voici leur dialogue quand ils t'approchaient. Ah, tu sais, pourquoi tu as besoin de payer les impôts? Non, il faut venir. On va faire comme ça. Ça va te permettre d'économiser une fois. Le mot une fois, là, je ne suis pas dans vos une fois. Moi, que c'est nion. Je ne suis pas sur le mot. Comme ça, tu vas économiser une fois. Rosie, Rosita. Quand tu manges le macabo râpé, quand ce n'est pas cuit, ça va gratter ta gorge. Tu me demandes d'ouvrir à Paris. Quand tu manges le macabo râpé, quand ce n'est pas cuit, ça te gratte la gorge, ma chérie. Moi, je ne peux pas toujours l'encontrer. Le Jacob au feu à 20h, on retire du feu à 5h30. Quand elle fait ma chose, je prends mon temps. On dit que qu'est-ce qu'elle fait? Je prends mon temps. Pourquoi je prends mon temps? Il y avait une tante qui, quand elle faisait le congrès, hein? Elle fait frire la viande. Elle retire. Elle prend les oignons, elle fait frire. Elle met beaucoup d'huile, elle met les plantains. Elle met le sel. Elle prépare. Ça m'énerve. Il dit qu'il veut manger, c'est quoi? Je me dis que si la viande doit prendre 4 heures au feu et qu'elle n'a pas encore mis la viande dans le plantain, ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Pendant ce temps, elle écrase les condiments. Elle revient quelques temps après. Le plantain la regarde, c'est dur. Elle touche comme ça là, c'est encore coco, c'est dur. Après, elle prend
Elle prend la viande, elle dépose au-dessus. Les condiments qu'elle a écrasés. Elle met une partie. Elle fait. Elle prépare. Je pars, je tourne, je fais une heure, je reviens. Je pars regarder même Mathieu là. Vous connaissez Mathieu là, non, sur RTL 9. Je regarde inspecteur Derek, je reviens. Elle prépare. Ça m'énerve. Après, il y a l'étape des feuilles, des condiments verts. Elle mettait le ginger, les condiments verts, là, elle mettait ça à la dernière minute. Après, elle ouvre encore. Elle tâte. Elle part prendre encore d'autres condiments. Elle met, elle écrase. Elle vient, elle met. Elle prépare. Moi, je n'ai pas dormi, moi. Tu as dormi, tu attends qu'on prépare une nourriture. Tu te réveilles, tu n'es pas cuit. Ah! Que dans le rêve, tu étais là, tu disais que... Oui, je me réveille, je mange le coquille. Je me réveille, mal au contraire. Tu te réveilles, c'est pas encore cuit. C'est 5 heures plus tard. Elle prend maintenant les derniers ingrédients. Elle découpe les feuilles vertes. Elle verse. Quand elle ouvre, tu vois que la nourriture est cuite. Quand elle m'envoie pour aller verser dans la nourriture, je prends un doigt, je mets sur mon truc et mange. Quoi? La nourriture est cuite, tu me dis que c'est pas cuit. Oh, popou. Elle ouvre. Elle regarde. Toi, tu vois que c'est cuit. Quand la sauce est déjà cuite, jusqu'à c'est bon, après, elle te dit que donne encore l'eau. Elle dit, on manque de l'eau. Tu veux seulement mourir, que c'est comment? Parce que plus elle met d'eau, plus ça va mettre du temps. Parce qu'il faut que l'eau la sèche. Après, quand elle met l'eau, elle dit baisser le feu. Ouais! C'est bon, oui! Voilà comment m'a traumatisé. Moi, j'ai fait, j'en ai 30 minutes à la cuisine aujourd'hui. De nos jours, je ne suis pas à la cuisine à cause des choses comme ça. Voilà là comment on m'a traumatisé dans ma vie. Elle dit baisser le feu. Ah! C'est fini. Quand elle dit baisser le feu, là, je ne suis plus là. Eh, hey, ma tante. Arrière-grand-père maternel, son esprit ne te quitte jamais. Merci l'éclaireur. C'est vrai que je ne l'ai pas connu, mais sa femme, maman Doroto, elle aussi très, très, c'est juste son successeur. Elle est derrière moi énormément. Donc, lui, je ne l'ai pas connu quand j'étais consciente, il était déjà décédé, mais elle était là. Donc, je ne serais pas surprise. Merci. Elle dit, baissez le feu. Elle dit, yeah. Hey. Non. Non. Mais quand elle sert la nourriture, je vous assure que je ne dis pas moi à la cuisine de nos jours. Quand j'entre à la cuisine, je peux faire 4 repas en une heure. Mes employés connaissent. Tac, je mets sur, j'ai d'abord mon foyer là-bas, c'est 4 foyers bien, bien costauds. Tac, pouf, mets-moi ça comme ça pendant que tac, et puis j'entre là, tac. On m'a traumatisé, pas traumatisé mes enfants. Donc, ça c'est pour répondre à Rosie, Rosita. Tout vient à point, surtout dans le spirituel. Il faut savoir attendre le bon moment. Donc, vous êtes très souvent entouré de personnes qui ils ont besoin que vous parliez mal de vous. Ils ont besoin que vous diminuiez ce que vous savez faire ou que vous avez. J'ai mangé un dangereux contre chez vous, c'était trop bon. Oui, j'avais, je crois qu'à l'époque j'avais la... Oui, ça doit faire au moins 2 ans, je pense, 1 ou 2 ans. Oui, j'avais encore, on préparait encore sur place. Oui. Moi j'ai toujours voulu ça, c'est juste qu'après, je n'ai pas pu suivre. J'ai élargi les locaux et j'ai converti la cuisine. Mais moi, mon endroit idéal, ce serait quand vous arrivez, je vous donne une petite bouteille de champagne, une nourriture. On te propose un menu à 3 repas, tu choisis ce que tu veux. Après, c'est le plantain, l'huile rouge coule au milieu du plantain. Oh non, c'est bon jusqu'à... Mais quand tu attendais, l'attente, là, n'était pas pour moi, en tout cas. Non, quand il parle comme ça, il y a du sang l'eau dans ma bouche. Hey, non, ma tante, quand ma tante préparait... Et quand elle sait que son gars vient à 19h, elle commence à préparer à 9h, ça cuit à 18h, il arrive à 19h, il mange. Et je me dis, mais qu'en est-il de nous?
Ça, c'est parce qu'elle sait qu'il y a le reste de nourriture que vous devez manger en journée. Ma tante. Oui, là, elle peut paraître très bien. Elle peut paraître très bien. Non, on ne revient pas à mon enseignement. On a parlé de nourriture, ça m'a un peu détendu. Il y a des personnes qui voudront que, surtout dans cette saison, quand j'ai commencé dans ma royauté, ça m'a pris en 2021. J'arrivais plus à résister. J'allais au marché, j'achetais des couronnes, je portais. Et l'esprit m'enseignait. J'allais beaucoup au bord de l'eau, l'esprit m'enseignait. En passant, il y a les foulards sont disponibles. Foulard, mauvais œil. Beaucoup d'entre vous, vous devez couvrir votre tête, vous le savez. Le problème, c'est que beaucoup de choisis, vous n'obéissez pas beaucoup. Ce qui a accéléré mon ascension spirituelle, c'est mon obéissance à la voix. Parfois, tu restes conscient, on te montre même 10 outils que tu dois acheter. Et ça va te coûter au moins la moitié de ton salaire. Avance d'abord, si c'est 500 euros que tu vas dépenser, avance 100 euros. Dans 2 jours, tu auras encore 100 euros. Dans 1 semaine, tu auras encore 100 euros. Parce qu'ils veulent voir l'obéissance. Ils veulent voir ton obéissance. Donc, quand ils commençaient à acheter ces outils, progressivement, je ne sais pas si ils sont en train de vouloir que je dirige le message. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je me connecte. Ils ont commencé à m'enseigner comment une reine se comporte. Si vous voyez quelque chose que je vends, le prix n'importe pas. Si tu me demandes le prix, je ne connais même pas le prix. C'est entre 20 et 30 000. Entre les deux prix là. Si tu viens acheter ma chose pour regarder le prix, n'achète pas seulement, mamie. Pardon. Please. Donc, ils ont commencé à m'enseigner sur la royauté. Et les rois nourrissent toujours beaucoup de personnes. Les rois ont toujours plus. Les rois ont beaucoup de personnes chez eux. Les rois s'occupent toujours beaucoup de personnes. Le roi a toujours des personnes qui viennent le servir ou la servir, la reine. Le roi ne force pas. Les gens veulent honorer un roi. Il y a des choses que si vous n'en avez pas conscience dans votre esprit, votre énergie ne peut pas shifter dans cette conscience. Bonsoir, Grâce, la reine Grâce. Un roi, sa demeure n'est pas comme pour tout le monde. Un roi ne dort pas dans 2 mètres carrés, 4 mètres carrés. Un roi a toujours des résidences dans lesquelles il ne passe parfois pas. Ah, je suis désolée, je n'ai pas trop fait d'études sur les rois. Mais j'ai quand même un peu fouillé. Regardez quand même souvent les films antiques là. Un roi, un cuisinier. Et un roi a une richesse qui lui vient. Un roi a un trône. Un roi a un trône. Une des premières choses, quand ça te prend, tu achètes une couronne, tu multiplies des couronnes, après tu achètes une chaise qui est différente. C'est très rare d'entrer dans une de mes résidences sans trouver. Quand je n'ai pas encore mis ce contexte-là, c'est rare pour moi de me sentir chez moi dans un endroit. Quand je vois maintenant tout le monde en ligne et dit je suis reine ceci, je suis reine ceci. Ne vous dérangez pas. La royauté, ce n'est pas la course. La royauté, j'ai mon royaume.
J'ai mes sujets. J'ai ma richesse. Tu as ton royaume. Tu as tes sujets. Tu as ta richesse. Je ne sais pas pourquoi vous vous sentez menacé par d'autres personnes. Sonoa, bonsoir. Un roi a de la sagesse. Un roi est crédible. Un roi est crédible. Ça, c'est le problème de beaucoup de personnes. Un roi ne vit pas avec la peur. Oh, je n'ai pas payé mon loyer. Oh, je n'ai pas payé mes factures. Oh, je n'ai pas reçu. Je n'ai pas payé. C'est ça qui fait que votre colonne vertébrale spirituelle soit fourchue. C'est comme ça. Comme ça. Et quand vous venez souvent ici, je vous enseigne. Ça vous énerve. N'est-ce pas? Beaucoup de personnes qui me suivent, vous êtes des princesses réincarnées. Des princes réincarnés. Vous ne pouvez pas fuir l'affaire là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que quand je dis ça, it makes sense. Like, ça. Je me suis toujours dit ce qu'elle dit là. Oui, je pensais ça l'autre jour. C'est comme si on te rappelle qui tu es. Et quand ça vient, ça remonte comme un beau souvenir qui n'est pas difficile. Un roi reçoit toujours des cadeaux. Quand un roi fait un cadeau à quelqu'un, il fait un beau cadeau. Vous allez offrir, même vous quand vous me donnez souvent les fleurs ici là, ne me donnez même pas. Vous me donnez une fleur, je fais quoi avec une fleur? C'est pour ça que ouais, c'est très rare que je me suis demandé des cadeaux. Moi, hey, et les cadeaux souvent que les gens me font, ce n'est pas que je peux faire quelque chose que tu as pris du temps, tu as façonné avec ta main, tu m'envoies. Ou si tu connais quelqu'un qui fait quelque chose artisanal, même si ça t'a coûté 2000, je préfère ça. Au lieu de porter 2000 francs, tu m'envoies. Je sais que vous n'aimez pas les choses comme ça. Quand on vous parle. Tant que tu ne peux pas honorer quelqu'un. Que ce soit les clients qui viennent vous donner. Que ce soit ton mari qui te donne. Que ce soit un dragueur qui te donne. En tant que reine, il y a quelque chose qui retourne vers toi. C'est comme une énergie. Ah, je suis pas censée manquer. Oh, madame, je veux acheter ton produit. Oui, je veux acheter, c'est combien? Je veux 10. Oh, tu es très belle. Je t'ai fait un dépôt de 200, 500 000. Maintenant, vous devez comprendre que chacun a son notion de réceptivité. L'enseignement que vous donne aujourd'hui va vous aider. Il y en a, vous êtes dans votre ère, dans cette réincarnation, tu es dans le business. C'est par là que ta part entre. Une autre personne, elle s'est mariée avec un homme que... C'est le feu. L'homme-là ne jure que par elle. Il est son esclave, entre guillemets. Il sort, il bosse, il bosse. Oh, ma femme, oh, oh, ma femme ne doit pas manquer. Oh, oh, ma femme, oh. Une autre personne, tu te fais draguer que par les grands types. Tu ne cherches même pas. Oh, l'ambassadeur de... Il veut qu'on parte aux Maldives. Il faut qu'il parte, il veut qu'on parte. Tu n'as toi rien demandé.
Ne jugez pas quelqu'un qui est dans son énergie de réceptivité. Tu vas voir quelqu'un d'autre que ça passe, le business. Achetez. J'ai vendu pour 2 millions. Quand il parle ses paroles, ça secoue les porte-monnaies des gens. Authentique, si tu veux te plaindre, tu es au mauvais endroit. Que ma part ne dure jamais. Je ne suis pas là pour les plaintes. Ce n'est pas le commissariat Reine Lumière. On est Reine Lumière. Donc on ne va pas se plaindre devant une reine. Ok, authentique. Donc tu arrêtes cette énergie de vibration maintenant. Si tu veux rester dans mon direct, tu sors de là. Sors de l'énergie de plainte, de victime. Rentre dans ton énergie de reine. Là, tu peux rester. L'éveil, est-ce qu'il faut avoir les douleurs physiques? Énergie de plainte. Je ne prends pas vos plaintes. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Je souffre. Tu es sur le mauvais direct. On peut poser question. Non. Ici, je dis ce que je veux. Bienvenue dans mon royaume. Je dis ce que je veux. Celui à qui ça ne plaît pas, il se déconnecte. Tout simplement. Ok? Je vais déménager, mais mon oncle me traite d'ingrat. Je te bloque. De ta grosse tête. Aucune bonne parole ne peut sortir de ta bouche un jour. Jamais. Tu penses que vous a dit que oh, je suis abondante. Oh. Tout vient à moi. Non, non, non. Non. Mon gars m'a quitté. Est-ce que Jacqueline va revenir vers moi? J'aime Jacqueline. Tu viens me parler de ton mauvais... Attends, il te bloque. Mauvais rêve. J'en ai rien à foutre de ton mauvais rêve. C'est ton mauvais rêve. C'est pas le mien. Voilà. Regarde pour moi. Je te bloque. Ça, c'est les mendiants. Quand tu viens voir une reine pour lui demander quelque chose, tu viens avec quelque chose. Je vous éduque. Pauvre et mendiant. Pauvre et mendiant. Et c'est parce que vous mendiez que vous êtes pauvre. Oh, la rose! Je ne voulais pas que tu me vois comme ça. La table, tu me connais, non? Quand elle commence mes choses. Hey, Madame Rose, la reine, reine des fleurs. Je t'envoie plein d'énergie. Et je reçois celle que tu es en train de m'envoyer. Je sais que tu es en train de me recevoir. M'envoyer plein d'énergie positive. Ce n'est pas du traitement. Si tu veux te comporter comme une va-nu-pied, alors que tu es dans une salle avec des reines, on te met dehors. Tout simplement. Parce que la salle dans laquelle on est ne peut tolérer une énergie de vagabonde, de cochonne. Les porcs sont dans la porcherie. Les porcs ne sont pas sur des trônes. C'est comme ça qu'ils font pour que vous vous sentiez mal. Quand on te voit, tu as mis ta maison, tu as décoré ta maison avec tes énergies, tu as mis tes points de contact, tu as mis tes courriers, tu as mis tes coquillages, tu as mis du sel, oh, il y a des bonnes vibrations chez toi. Tu ne veux pas qu'on te visite. Ça les dérange. Elle croit que quoi? Elle veut montrer que quoi? Ne t'en fais pas, tu pourras toujours payer ton loyer. Tu ne vas jamais venir toquer chez un entrepôt pour demander qu'il te loge. Tu ne seras jamais sans abri. Méditez sur le comportement d'une reine. Parce que beaucoup d'entre vous... Je suis une reine. Appelez-moi reine. Appelez-moi reine Prisca. Appelez-moi reine. Tu discutes avec qui? Tu discutes avec qui? La royauté ne se discute pas.
Bonsoir, Sam. On ne discute pas. You don't argue the thing. Appelle-moi reine. Appelle-moi même Jocelyne, je m'en fous. C'est même si tu m'appelles n'importe quoi. C'est pas parce que tu m'as appelé comme ça que je ne suis pas reine. Je sais qui je suis. I mean, come on. Rentrez dans votre essence. Rentrez dans votre authenticité. Ne venez pas seulement imiter les gens en ligne. Vous faites des publications. Je suis une reine. Tu fais le poste. Tu dis, sois une reine. Non. Médite sur ce qu'une reine fait. Allez regarder les films antiques là. J'aime beaucoup regarder les films antiques parce que, oh, j'ai ma dame de compagnie. On me brosse les cheveux. Quand j'accouche, quelqu'un d'autre allaite mon enfant. Le jour où j'ai vu ça dans un film, j'ai dit, c'était Reine Victoria, Queen Victoria, I think. Yeah, Queen Victoria. I was like, somehow, j'ai toujours senti ça. J'ai toujours su que je suis pas censée rester à la maison 2 ans parce que j'ai accouché. Ça vous plaît pas, vous partez. Oui. Oui. Voilà, quelqu'un a réglé le loyer de ton institut sans te dire. C'est le bailleur qui t'appelle. Qui t'informe avec ton reçu de paiement. Tu appelles la personne et elle te répond, tu mérites mieux. Wow. Juste que tu ne sais pas qui tu es. Rassure-toi, je n'attends rien de toi. Que Dieu t'élève. Depuis ce matin, j'aime le palu à cause de ce bien. J'arrive pas à réaliser. Je suis dépassée. Je suis désolée hein, que quand je parle, vous pensez toujours que. Ouais. En tout cas, hein, on sera tous dans le direct ensemble, non? Certains vont aller vivre leur vie de reine, d'autres vont rester dans leur vie de pig, cochon. Oui. Pig, like the piggy lifestyle. Et ça ne dépend pas du pays, s'il vous plaît. It doesn't matter of the country. Ça ne dépend pas du pays. Laissez-moi vos choses. Que je suis à Badjoun. Je suis à Badjoun. Comment il peut. Pardon. Tu es à Badjoun et pourquoi? Pourquoi à Badjoun, il n'y a pas les reines? Hein? Il n'y a pas les. À Badjoun, il n'y a pas les reines. Une reine donne toujours. Elle dit manger, allez manger. Oui, cuisinier? 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 Oui? Apportez une tête de cochon là-bas, oui. Tu as même d'abord ton petit argent que tu as là, tu ne peux pas donner même 500 à quelqu'un. Tu vas continuer de rester dans ta pauvreté parce que tu es chiche, on âme. Tu es radin. Tu es radin. Au revoir authentique. Tu es radin. Onam. Je me supplie. S'il vous plaît. Diminuez le loyer, non, s'il vous plaît. Paul, paye son loyer. Paye 2 mois, 3 mois en avance. Je suis trop arrogante. C'est même pas de l'arrogance. Je ne sais pas comment on appelle ça. Si bien que les gens avec lesquels je travaille, mes bailleurs, tous les gens chez qui j'ai mes magasins et tout ça là, ils connaissent. C'est qu'ils vont m'insulter. Ma bouche, celui-là, sort trop. Oui. Il fait tout l'effort de vivre ce que j'ai dit. Tu veux me rencontrer, pourquoi? Il me voit ici, là, tu vas commencer à supplier pour. Hey, pardon. Je ne rencontre pas les gens. Je ne rencontre pas les gens. Tu as compris? Il y a le service VIP. Appelle ce service. Ne suppliez pas. On ne supplie pas. On ne supplie pas. On ne supplie pas. On commande. On fait quoi?
vous avez des sujets. Certains d'entre vous, vous avez des esprits, des animaux esprits qui marchent avec vous tous les jours, qui attendent votre commandement. Ils attendent votre commandement. Il y a des anges, il y a des ancêtres. Mamie, je me vante, moi, mamie. Ah, je me vante. Mamie, tu te vantes? Oui, je me vante. Je ne viendrai pas toquer chez toi pour manger le soir. Ça, c'est sûr. Mamie, tu te vantes? Oui, je me vante. Oui. Ça, c'est sûr. Je ne viendrai pas te demander de payer mon loyer ce soir, chérie. Stécie. Stécie, j'ai souvent envie de te bloquer. Tu me dis que tu sillonnes ma page chaque jour pour attendre qu'elle fasse des promotions pour acheter mes produits. Je te bloque. Tu as compris? Tu es bloqué officiellement. Et ne passe pas dans mon inbox pour dire que débloquez-moi. Je connais bloqué, je ne connais pas débloqué. Tu as compris? Tu n'as même pas honte. Attends, il cherche comment on bloque cela. Il y en a que je n'aime pas vous lire. Je n'aime pas vous lire. Je n'aime pas vous lire. I don't like to read you. Mais arrêtez. On parle de ça, il vient vers ce mail-là. Tu veux prouver quoi à qui? Tu as été bloqué, donc ne te parle plus, ça va. Je sais que quand on parle, je parle comme ça, vous m'écoutez, vous battez encore fait la même chose. La même chose. La même mendicité. En inbox, ouais, ouais, fais alors. Je ne fais pas les réductions. Allez voir les arnaqueurs, ils vous arnaquent. Ceux qui ont ma photo sur leur profil, ils vous écrivent comme si c'était moi. Ce n'est pas moi. Mes prix restent les mêmes. Quand quelqu'un te valorise, pendant une journée ou deux, quand tu arrives quelque part, pendant une journée ou deux. Quand on te dit quelque chose qui coûte 5 000, donne 5 500. Tu donnes 500 à la personne. Tu pars au restaurant, on te dit c'est 6 000. Donne 6 500 ou 7 000. Tu vas voir ce que ça va faire dans ton corps. Vous aimez trop mendier et ça vous finit l'argent. Ça vous suce. Ça vous suce. Par contre, votre royaume est là. Ils attendent, ils te regardent. Est-ce qu'elle sait qui elle est? Le serpent qu'on a envoyé qui marche avec elle là. Il attend seulement qu'elle parle. Et il vous souffle beaucoup à travers les idées. Il te reste 1 000 000 sur toi. Je ne sais pas si ça arrive aussi à quelqu'un parmi vous ici. Tu évites même de marcher avec l'argent. Souvent, quand tu sors, tu ne sors pas avec la carte bancaire. Parce que tu sais que si tu sors avec la carte, tu vas dépenser tout ton argent. Je mets la lumière sur vous. Quand tu arrives, on te dit, mais achète. Il y a une sensation quand tu achètes quelque chose. Il y a un feeling. Dépense maintenant quand tes guides te parlent. Dépense sur inspiration. Parfois, tu restes, il y a une idée qui te revient tout le temps, ça revient. Achète un collier de coris. Achète un collier de perles. Achète un collier, achète une couronne. Achète des bijoux en or, tu mets sur toi. Ah, c'est cher, qui va acheter ça? Hé, hey! Ah, la femme la bavarde comme ça, non, qui va acheter ça? Moi, non, 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 moi, elle ne veut pas. Après, il va faire comment? Il va manger quoi? Il va faire comment? Tes guides sont là. On parle à la fille, elle ne comprend pas. Tu ouvres un magasin, ils te disent, ça c'est trop petit pour toi. Tu dois ouvrir un deuxième magasin.
Tu dis, hey! Ils aiment te souffler des idées. Des idées. Si vous vous lavez au sel, votre intuition est déjà en train de se développer. Fais un bain de sel. Mets de l'eau dans le sel. Mets du sel dans l'eau, tu mets tes pieds dedans. Tu fais. Ou bien tu rentres, tu as l'intention de faire. Tu tombes sur une vidéo où je parle de ça. Tu dis, mais ce matin, ils m'ont dit de... Les idées, les idées. Ils te parleront en idées. Je ne sais pas, j'ai envie de boire du thé. Mais bon, tu sais, je n'aime pas le thé, c'est donc j'ai fait moi-même, j'ai fabriqué moi-même mon thé. Fabrique ton thé, tu le bois. Un jour, j'étais dans une contrée lointaine. Je galopais, je chevauchais. J'ai garé... Non. J'ai déposé mon âne, non, mon cheval, devant un restaurant. J'y suis entré. Et il y avait un buffet. Il y avait du sanglier. Il y avait... Non. Il y avait de la nourriture traditionnelle. Je me suis assise. J'ai mangé. Et pendant que je passais au dessert, soudainement me vint une idée. Et nous, moi et mes esprits, nous fûmes ébahis par la beauté de cette vision que nous voyassons. Mon français est totalement composé. C'est un esprit qui est en train de parler actuellement. Cette vision nous montrait un bol avec du thé. Bonsoir, Zambie. Et nous vîmes la reine Jocelyne en train de boire de cette concoction. Et lorsqu'elle buvait, elle ressentait une paix intérieure qui lui vint des ancêtres. C'est alors qu'elle eut cette idée. Il faut que je demande un thé. Elle sonna sa cloche. Serveuse, puis-je avoir du thé, s'il vous plaît? Et là, nous inspirâmes la serveuse qui lui dit, « Madame, voulez-vous cela avec du clou de girofle ?» Et la reine lumière se dit, « Oh, fichtre !» Ok, fichtre, je l'avais oublié, le clou de girofle. Oui, j'en veux bien, merci. Lorsque le thé fut déposé devant elle, vu la chaleur qui dégageait de cette potion, elle se dit, il faudrait que je mange pendant que cette potion mijote sous mes yeux, sous mon regard bénédicteur. C'est alors que nous inspirâmes son ami qui était dans une contrée lointaine du Fipangrassi, non, de l'Ouest. Et l'ami alla sur un arbre se percher après avoir chevauché pendant 30 minutes. Il chercha le réseau avec son appareil, cette boîte que vous appelez téléphone, téléphone, Android, oui, Android. Son téléphone sonna, son téléphone. Elle décrocha, elle dit ce que vous dites à chaque fois. Allô, allô. Et il lui dit,
Je suis envoyé par les ancêtres. Ils me disent de te dire de prendre une potion appelée thé et de rajouter du miel. Et elle se rappela comme Raven se rappelait. Nous plongeâmes dans ses yeux. Après avoir traversé le trou noir de l'inconnu, nous arrivâmes 15 minutes plus tôt, lorsque nous étions en train de lui déposer l'idée sous forme de pensée. Prenez du miel, ma très chère. Mais elle se dit, oh, pourquoi faire du miel? Pourquoi? J'ai pas l'habitude de prendre du miel. Et c'est alors qu'elle fut transportée dans sa vision à l'heure présente. Et elle raconta à son ami qui était encore perché par une liane sur l'arbre. Mais je suis devant ma tasse de thé. Comment tu as su que je dois prendre du thé? Oh, je vois un ange à côté de toi. Pendant que tu prends ce thé, c'est comme s'il nourrissait ton esprit de parole. C'est comme si c'était une potion de transformation pour t'amener dans les profondeurs de l'inconnu. Pour que tu ramènes un message pour les personnes qui te suivent. Pour ta congrégation. Prends cette potion et parle. Oh, nous fûmes surpris par le degré d'extase, l'orgasme mental, l'orgasme culinaire qu'elle découvra ce jour. Chaque goutte de ce breuvage qui tombait dans son estomac la transportait dans une jouissance qui n'avait pas de nom. C'est alors qu'elle commença à avoir un flot d'idées. Et elle prit son téléphone et elle commença à écrire. Après, quand elle se réveilla, elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Très souvent, nous vous parlons, très cher, mais vous n'écoutez pas. Nous vous inspirons. Mais mange des mangues ce soir. Nous allons te parler à travers des mangues. Oh, mais je fais quoi avec les mangues? Après, vous allez vous plaindre. Je n'écoute pas la voix des ancêtres. Parfois, nous vous inspirons une nourriture. Fais le couscous sauce gumbo, tu manges. Oh, je fais quoi avec le couscous sauce gumbo? Et là, vous nous attachez les mains. Nous ne savons pas quoi faire quand nous vous inspirons. La raison pour laquelle la Bible dit de ne pas manger avec n'importe qui, c'est parce que votre langue, votre bouche est un canal. Tout ce qui entre ouvre un portail, que ce soit par la bouche, toutes les ouvertures que vous avez, entrée ou sortie. Les délivrances se passent par les vomissements parfois. Les envoûtements se passent par la nourriture parfois. Certaines personnes sont délivrées quand elles vont à la selle. À travers les relations sexuelles, vous êtes envoûtés. Tous vos orifices, quand ils sont engagés, ils provoquent. Quand ils sont correctement engagés, ils provoquent. Ce sont des portails spirituels. Ne négligez pas les moindres messages. Parfois, vous faites à manger. Parce que vous voulez économiser de l'argent. Et quand vous mangez, ça ne vous plaît pas. Et là, vous vous dites, mais j'ai envie de manger le poisson braisé de la femme qui est là-bas à Bepanda.
Il y a une onction qui va découler, qui va couler de vous quand vous allez manger ce poisson. Dans la Bible, les bénédictions sont données avec un repas. Parce que lorsque la personne mange, ça provoque quelque chose. Récemment, une dame m'a envoyé, j'ai parlé dans le direct d'une nourriture traditionnelle. Et le lendemain, j'étais au Cameroun. Elle m'a dit, je vais envoyer. Elle a dépêché sa tante qui a passé des heures en cuisine pour me faire du couscous sauce jaune avec le kobapot. Je suis sûre que la femme là a reçu une bénédiction sur ma tête de joie. Je suis sûre que la dame là a reçu une bénédiction sur ma tête ce jour. J'ai mangé, ça a frappé ici derrière, comme ça là. J'ai parlé qu'en langue, en bénédictant la femme là-haut. Ou en bénissant. J'ai parlé en langue. C'est pour ça que vous pouvez tout refuser à quelqu'un sauf la nourriture. Pour lui avoir refusé sa nourriture, il peut vous maudire. Vous mangez, vous ne donnez pas pour les gens. Je ne sais pas pourquoi vous êtes chiche. La chicheté vous amène où? Ça vous donne quoi? Me no get a time for the hate and the blame. Got my mind on my money. Hey. Idi rush, where will it be much? La musique. Écoutez beaucoup de musique. Merci l'amour. Oh, que tu es gentil. Écoutez beaucoup de musique. Votre esprit vous enseigne en musique. Il y en a ici, vous étiez des chantres dans vos anciennes vies. J'ai parlé d'un service qui vous parle de vos anciennes vies ou de... Oui, qui vous reconnecte à vos anciennes vies. Un truc comme ça. C'est hier qu'une dame m'a rappelé ça. J'avais oublié. J'ai parlé de ça, j'ai oublié. Merci Emmanuel. On demande trop la bague ici. Je crois que je vais vendre ça maintenant. Moi, tout ce qu'on demande sur moi, je vends. Je vais commencer à vendre ça. Oui. Dans vos anciennes vies, vous étiez des griots, des chanteurs, des chantres. Oui. Et là, ça vous appelle encore. On vous a donné ce que je devais vous donner. Les esprits qui me prenaient tout à l'heure, là, ils se sont un peu calmés. La vidéo sur les anciennes vies. Moi, je fais les directs, après je laisse sur la page. Donc, vous partez regarder. Ça doit faire 4 ou 5 jours. Ça doit être le 2. Le 2 ou le 3. J'étais à Kinshasa. Ça doit être le 3. C'est... Non, le 2 au soir, j'en suis sûre, je pense. Ça fait longtemps que tu n'as pas suivi mes directs. Moi, je dois te bloquer. Tu restes longtemps, tu ne me cherches pas, je te bloque, chérie. Ça veut dire que je ne te sers plus à quelque chose. Je dois te bloquer. Si tu restes, ton esprit ne me cherche pas, désabonne-toi de ma page. Nestorine, bonsoir. Si ton esprit n'avait pas senti que tu ne me vois pas depuis, c'est qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Ok, il y a des gens qui payent mes produits que je les bloque. Parce que vous payez les produits, vous ne faites pas. Je les bloque.
Tu vois, c'est seulement mes clients qui me suivent. C'est pas seulement mes clients. Il y a les personnes qui n'ont jamais acheté mes produits, qui ne vont jamais acheter mes choses. Mais les vidéos que je leur donne, ça les aide. C'est pour ça. Combien de fois je vous parle de mes produits dans mes vidéos? Très peu. Très peu. Tu crois pas que je me pointe ici parce qu'ils doivent vendre mes produits? Moi, mes produits se vendent. I they sell my product. Mon marché passe. Parce que moi-même, j'utilise mes produits pour attirer les clients. Moi-même, j'utilise mes produits pour vous attirer. Oui ou non? Voilà. Steph, bonjour. Bon, on me dit que j'ai terminé. Je dois y aller. I gotta go. Pour les lectures, vous attendez. Je ne lis pas les gens tous les jours. Donc, quand vous payez, vous prenez le risque de payer pour que je vous lise. Soyez patient. Les formations, c'est pour bientôt. Niveau 1, niveau 2, formation, mission de vie. Il y a plein de formations. Donc, vous pourrez venir sur Abidjan pour assister aux formations. Douala, on a le local. Gabon aussi. Depuis que tu me suis, ton esprit ne peut pas faire une journée sans me chercher. Emmanuel dit que c'est devenu comme un rituel pour elle. Quand ton esprit aura évolué à un autre niveau et que tu vas sentir que ce n'est plus moi que tu dois écouter, le bon maître va venir encore. C'est toujours comme ça. Donc je sais libérer mes gens. Lionel, si tu vas acheter le kit fondation, achète. Ne cherche pas à me parler. Quand tu pars à Carrefour, est-ce que tu demandes à parler au directeur de Carrefour avant d'acheter tes œufs? Pour prendre le Nutella à Carrefour, est-ce que tu as besoin de parler au directeur? Oui, ça, tout ça, c'est en vente. Tout ça, c'est à vendre. Aigle, tu dois voir mes vidéos. Hein. Aigle, tu es un peu rétrogradé parce que tu me suis depuis au moins 2 ans. Tu es un peu rétrogradé. Ton esprit me cherche, mais le crédit te manque. Ça veut dire que tu es pauvre. Tu ne dois pas me suivre, Steph. Tu es pauvre. Je ne veux pas. Ça, c'est disponible à Douala. Esprit malin. Oh là là. Il est bien là. Il y en a plein. Celui de ma grand-mère. Il y en a des serpents. Il y en a des sirènes. Tu veux m'exorciser? Oh là là. Pourquoi tu ne mets pas une photo pour qu'on te voie? Pourquoi tu te caches? Pourquoi? Oh là là. Pourquoi? Continue ta séance d'exorcisme. On va voir. Parfois, il parle. Beaucoup. Venez tout me chercher. Je vous visiterai, vous. Toi en particulier. On te visitera. Tu as compris, non? Tu ressens. C'est toi qui vas tomber. On va voir, tu commences à manifester là-bas seul. Tu es dans ton film seul là-bas. Que esprit malin. Le malin, parce qu'on vous a abruti. On aime quand vous êtes bête. Regardez même le secret qu'on vous dit à l'église. On dit esprit malin. Ça veut dire que tu dois être bête. Tu dois être bête. Tu dis que l'esprit qui est en moi est malin. Je continue encore un peu avant de te bloquer. Parce que généralement, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai trop à faire. Je cherche, je crois que c'est le serpent qui avait t'envoyé. Tu as compris? Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. J'ai dit, regarde-moi bien. Je vais te bloquer. Je crois que tu as prêté du crédit pour venir sur mon direct. Tu as demandé l'argent à quelqu'un. Voilà. Vous partez vous cacher. On ne vous voit pas. Pour moi, tout ce qui est clair ne se cache pas. Testez les esprits. Tout ce qui est clair ne se cache pas. Voilà. Pour moi, c'est la base, c'est la base.
Tu parles à l'église, on te dit que l'esprit malin. Que c'est le malin. Ça veut dire que toi, tu es là, tu es bête. On te dit que le diable est malin et toi, tu es bête. Le lavage de cerveau à l'église. Pardon. J'ai accepté mes esprits. J'ai accepté. Pardon. Vous savez combien de fois on a voulu m'exorciser à l'église? Tiens. À l'église, on dit que le serpent est mauvais, non? Pourquoi Dieu a créé le serpent? Pourquoi Dieu a créé? Pourquoi ça existe sur la terre? Si le serpent est tellement négatif, pourquoi il n'a pas éradiqué ça de tout? Donc, pourquoi ce n'est pas comme les dinosaures qu'on ne retrouve plus? Posez-vous des questions, s'il vous plaît. Réfléchissez, faites tourner votre cerveau. Le malin. Ça, c'est une révélation que tu viens d'avoir. Le malin. Quand tu n'es pas malin, tu es idiot. Ça veut dire que tu as l'esprit idiot, j'ai l'esprit malin. Et je l'ai, oui. Oui. Bien même. Quand j'ai compris que je dois accepter qui je suis, je ne... Tu es dans les églises de 5 ans, 8 ans. Tous les jours, on te dit seulement que ce qui est en toi n'est pas bien. Alors que c'est de là que tu sors. Demandez à vos mères comment vous êtes nés. Demandez là où vos mères sont parties vous chercher. Demandez les accords qu'elles ont passés pour qu'on vous donne. J'ai travaillé sur une fois. Elle avait arrêté de construire sa maison. Elle avait arrêté tout. Mais depuis février que je te suis. Et une dame qui est venue, elle est entrée dans le direct ici, elle a témoigné qu'elle vient d'aménager dans sa maison. Février, mars, avril, mai, juin, juillet. 5 mois plus tard, elle a fini sa maison, elle est entrée dans sa maison. Elle est en train d'acheter les terrains. Elle a passé des mois ou je crois des années dans une église quelque part là. Tu as les ambitions, pourquoi? Non, il ne faut rien penser, il ne faut rien faire. Je suis allergique aux chrétiens. Oui. Je ne vais jamais dire à quelqu'un que part de l'église. Mais si elle fait mon ticket, ne passez pas ici là, ne venez pas parler. Parce que vous avez assez fait de dégâts. Et vous venez dans l'inbox, des gens disent, je suis pasteur, je suis femme de pasteur, je veux, montre-moi. Les gens qui soignent connaissent de quoi je parle. Ils sont dans nos inbox. Depuis que je les ai tous insultés, là, ils ne passent même plus trop. Je suis pasteur, est-ce que tu connais quelque chose qui peut? Mais pourquoi vous ne dites pas la vérité? Dites la vérité aux gens, c'est tout. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, c'est la vérité qui va vous libérer. C'est la vérité qui te libère. Et je dis toujours que si ce que je faisais, c'était faux. Si ce que j'ai fait là, c'était faux. Ça ne marcherait pas. Vous allez dire que non, le diable vient, il te donne la gloire. Pour que laissez ça, laissez. Si vous ne vous reprogrammez pas, vous allez rester dans la pauvreté. Non, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Quelle est la gloire que Dieu tire quand tu es pauvre, chérie? Dites-moi, s'il vous plaît. On se moque de toi. Parfois, tu as même peur d'être riche. Parce que tu dis que si je suis riche, ils vont voir. Et ils vont me bloquer. Ils ne te feront rien. Je suis, on m'a dit en anglais, I am unapologetic. Je ne m'excuse pas pour qui je suis. Ça m'a pris des années, des endoctrinements. Je vous dis souvent que j'ai pris la corde que j'ai attachée sur mon cou. Je suis parti donner à un pasteur que tiens, il me dit, va comme ça, je sais pas, va comme ça. Et qui est? Oh là là, non. Dieu va trouver sa gloire. Non, pardon, arrêtez. Beaucoup de croyances. Parfois, vous avez quitté l'église, mais l'église ne vous a pas quitté. Vous les suivez encore en cachette. Vous êtes sur la page la nuit. Vous êtes sur la page la nuit.
Dès que tu fais un petit cauchemar, te lèves. Hacha, tu prends. Tu dis que je vais regarder sa prière. Arrêtez. Tu veux savoir si tu vas te marier? Je te bloque. Demande à tes guides. Attends, ils te bloquent, chérie. Je cherche là, on te bloque. Voilà. Je ne cherche pas les moutons. Si tu es mouton, tu vas chercher là, on va t'en moutonner. Va chercher là, on va t'en moutonner. Parfois, vous êtes libéré, mais vous ne voulez pas profiter de la liberté qu'on vous a donnée. Je répète, vous êtes libéré, mais vous ne voulez pas profiter de la liberté qu'on vous a donnée. Beaucoup de courage. Oh non, merci. J'ai le courage. J'ai ça. Souvent, les sorciers me regardent et disent que maman, tu prends même la force là-haut. Je comprends qu'ils sont beaucoup. Des déplaintis. Jésus a dit, j'ai ma légion. Ils sont des milliers. Je pourrais commander. Repartez lire les enseignements de Jésus. Hein, en vous disant, ce n'est forcément pas négatif. De la même façon qu'il y a plein d'esprits négatifs, il y a plein d'esprits positifs. Programmez votre cerveau, s'il vous plaît. Faites fonctionner votre tête. Jésus est mort. Il est ressuscité. Je crois qu'il est ressuscité. Mais est-ce que Jésus a dit que je dois régner ma mère qui est morte? Ma mère n'est pas ressuscitée, hein? Ma mère est morte. Pourquoi je dois accepter Jésus que je n'ai pas connu? Je dois refuser ma mère que j'ai connue, qui m'a bercé, qui m'a nourri, qui m'a tapé quand je faisais les mauvaises choses. Réfléchissez. Pourquoi tu dois avoir peur d'elle quand tu la vois dans le rêve? Ton grand-père qui t'aimait autant. Donc tu crois qu'il va venir te faire du mal? J'en suis arrivé là parce que j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à me poser des questions, hein. Mais pourquoi? Si c'est comme ça, pourquoi? Si c'est pourquoi? Après, tu vois, même l'église prend, à part Jésus là, l'église prend encore d'autres. L'église prend encore d'autres. À part Jésus. On te dit qu'il y a cinq. Pourquoi? Moi, j'aime réfléchir, moi. I like to think. Un roi a toujours beaucoup de conseillers. Beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de guides. Voilà, Jacques de Jésus a dit aussi ça. Et s'est posé beaucoup de questions. Parfois, vous rejetez l'assistance qu'on vous a donnée. J'ai travaillé sur une dame l'autre jour. C'était la fille de la reine. Les sirènes connaissent. Et un de ses guides est venu, il a parlé. Après, il est parti. Dans le corps de la fille, il est parti. Sa mère est venue, elle a parlé. Après, elle est partie. Après, la femme revient à elle. Ils sont là pour t'assister. Parce que quand il te parle dans le rêve, tu n'écoutes pas. Comment refouler ta mère qui vient te donner les consignes dans le rêve? Voilà. Comment? Comment?
Donc, comme ta mère est morte, elle est devenue méchante. Et Jésus a dit quelque chose dans Jean chapitre 14. Il est impératif pour vous que je parte. Parce que si je pars, je deviens plus fort. Quand ta mère était vivante, elle ne pouvait pas capter un message de quelqu'un qui t'attaque dans un autre pays. Mais quand ta mère est partie, elle est devenue, elle s'est réunie avec de la puissance. Elle s'est levée, là elle peut tout voir. Tes guides peuvent prendre la forme de ta mère, ils viennent te parler. Parfois ils prennent ma forme dans ton rêve, ils te parlent. Parce que très souvent ils t'enseignent à travers moi. Parce qu'ils te disent dans le rêve, tu ne comprends pas. On te donne les idées, tu n'écoutes pas. Tu tombes sur mes vidéos. C'est pour ça que souvent, ils prennent ma forme pour venir te parler dans le rêve. Comprenez que this shit is real. It is fucking real, man. C'est tellement réel. Tu demandes au monde. Oh là là. Oh là là. Un jour, il m'inspire un produit. Parce que les produits que j'ai, tous les produits que je vends, on m'inspire. On m'inspire. On me dit que fais comme ça. Je fais. Je vends. Vous achetez. Mais je reste. J'avais. Il y a une de mes filles là. Il y a sa maman qui parle souvent à travers elle. La veille dans l'avion, je vous ai parlé des applications sur lesquelles vous pouvez souvent noter. Vous notez les instructions qu'on vous donne pour ne pas oublier. L'application est bien parce que le cahier, tu peux le perdre, tu peux l'oublier quelque part. Je note, je reçois les idées, je note. Je dis, bon, ok, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Je pars. Le lendemain, elle me fait un message, les 10 heures. Elle me dit, tu sais, bon, c'est vrai que c'est anodin, mais bon, j'ai eu ce message pour toi. Quand je faisais ma méditation, ils m'ont parlé. Et après, ils m'ont dit de te dire de faire telle chose. Je dis, what? Elle me dit la même chose qu'on m'a dit la veille. J'étais appelée par téléphone l'autre jour, dans ton rêve, pour te faire sortir d'une situation. Voilà. C'est comme ça aussi que tu connais qui est ton guide. Ça veut dire que pour le moment, je suis ton guide spirituel. Quand on passe déjà par, on utilise mon image dans le rêve, pour te montrer quelque chose qui t'aide. Il y en a, ça se passe dans le rêve, mais vous oubliez, hein. Tu te réveilles, tu ne te rappelles pas. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas ton guide. Elle me dit la même chose qu'on m'a dit la veille. J'ai dit, what the fuck is this? Après, je dis, ah, je te disais seulement. La curiosité spirituelle a fait quoi? Je ne suis pas dans les mots bizarres. Curiosité, ça veut dire quoi? Curiosité, baka. La spiritualité se trouve dans les petites choses. Si tu viens expliquer, si vous suivez quelqu'un et vous explique, vous ne comprenez pas bien. Tu es avec ton enfant, l'enfant ne comprend pas. Comme je vous enseigne là, vos enfants comprennent généralement ce que je dis. C'est pour ça qu'ils aiment me regarder. Mais n'aime pas les choses farfelues. Quand ça a les poils là, je ne suis plus sur ça. Quand les idées sont poilues, je dis, va d'abord te raser les idées. Oui, va défuser tes idées, ça devient lisse. Avant de venir, je ne suis pas dedans. Et vous devez, ça, il faut savoir détecter les gens. Le discernement n'est pas difficile. Première chose pour avoir le discernement, toi d'abord, tu dois être clair. C'est là-bas que les gens qui disent qu'on ne veut plus écouter la femme si. Oh, qui. Toi d'abord, tu dois être clair. Comme je vous connais, you're crooked, more than crookedness itself. Tu es tordu, tu manges sur n'importe quoi.
Hier, je suis arrivé, je suis allé faire un retrait. J'étais vers Abidjan Mall là. Donc, je suis dehors, j'attends mon Yango. Il y avait des enfants qui vendaient des mouchoirs. Hey yo, auntie, ouais, pardon, il faut encourager moi un peu, non, acheter un de mes mouchoirs. Bon, je cherchais mon taxi. Quand j'ai trouvé, parce qu'il avait garé un peu loin, quand je l'ai trouvé, je lui ai fait signe, quand il était en train de venir, je lui demande que tes mouchoirs, c'est combien 2500, 3000, non, 2500. Je n'ai pas acheté ces mouchoirs. Je n'ai pas acheté. Tu ne peux pas avoir. C'est une fille de 10, 11 ans. Hein. Bon, c'est vrai aussi qu'avant qu'elle me dise le prix de ses mouchoirs, j'ai entendu leur conversation avec ses amis. Ils étaient un peu arrogants, genre. Et tu imagines, le monsieur là, il n'a même pas acheté. Hein. Il avait un peu d'arrogance. Je crois que c'est Dieu qui a fait que sa bouche trip, que ça glisse un peu. Je lui ai dit que j'ai senti que l'enfant là doit être un enfant qui escroque les gens. Pour avoir le discernement, toi d'abord. Toi, tu dois être clair. Si tu sors avec le mari de quelqu'un, si tu voles ton patron, la vie est très spirituelle. Tu n'obtiens de la vie que ce que tu as semé dans la vie. J'ai des employés que tous les fins de mois, ils sont à court d'argent. Tu lui fais même l'augmentation salariale. Le mois prochain, les gens qui touchent la moitié de son salaire sont toujours mieux par rapport à lui. Yeah, you have to be straightforward, yeah? Straightforward. You don't have to be dodgy. Mon guide spirituel, depuis la première vidéo, au début, vous me délivrez trop dans les rêves. Il y avait trop de combats que vous meniez et remportez à chaque fois. Maintenant, c'est les enseignements, les instructions. Parfois, j'ai carrément dans le rêve, j'écris carrément dans le rêve quand vous me parlez. Vous m'enseignez beaucoup. Bonsoir, la reine Dorcas, comment tu vas? Les guides viennent, ils te regardent, ils ne parlent pas. Et tu me dis que je fasse comment? What is it? Haven't you done enough? Tu me dis que je fasse quoi? Tu viens d'arriver, tu veux te plaindre? Parfois, vous avez les contentieux avec vos guides. Vous avez les contentieux. Vous avez les dettes que vous n'avez pas payées. On a des jours qu'on vous a dit de faire, vous n'avez pas fait. Aidez-moi! Si vous êtes en venant me voir, qu'elle fait quoi? Hein? Tu ne te plains pas, tu viens là me dire pourquoi? Au Singanaka. Et? Singala. Tu voulais faire la conversation? Tu aurais pu me dire bonsoir, c'est tout. Bonsoir, comment tu vas? Je dis bien, je vais bien, merci. Et toi? Vous n'aimez pas qu'on est clair avec vous. Vous n'aimez pas la clarté. You don't like. You like crookedness. Vous aimez qu'on est tordu avec vous. Vous aimez quand on parle des chizas. Vous écoutez une histoire, une femme a trompé son mari. Oh my goodness. J'avais un bouton ici, j'ai mis la barre dentifrice dessus. Et là, je suis seulement sa part. Je n'ai même pas appuyé le bouton. Yekele. J'ai ouvert des boutons sur mon visage. Voilà. Je dois faire le soin des visages demain. Je n'ai pas le temps d'aller faire le soin des visages. Tu peux avoir les femmes là vont te tirer le visage pendant une heure de temps. Mais une heure, elle peut pointer. J'aime moi trop bosser. Oh. Et que. Souvent, ils sont dans la salle de soins comme ça, là, avec un œil ouvert ici. Elle fait ça, on savait un œil sur le téléphone. L'esprit qui a raconté la petite histoire concernant le thé, il m'a passé un message très clair. Voilà. J'espère que tu vas l'appliquer. Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Vous devez créer votre bulle avec vos guides.
tu ne fais pas quelque chose parce que pour toi, ton guide t'a dit de faire. C'est qui comme ça? Ah, elle est là. Ah, Dieu merci. Dieu merci quoi? C'est qui qui est à la maison? Je suis en direct, viens me donner. Ouais. Ah, tu es venu dans mon direct, t'es bloqué. M'a bloqué. Tu fais exprès, tu savais pas. Tu savais que c'était moi. Elle dit bonjour, je m'a bloqué. Tiens, t'as. Mon ancien fait sous ses cerveaux. Si tu tombes sur le cerveau, tu m'as bloqué. Moi, tu bloques. Non. Mais je t'ai. Non, quand même. Pourtant, je voulais écouter. Avant, tu m'as. Moi, je veux pas que tu me suives. Tu es mon ami. Si tu me suis, c'est pas bien. Moi, je veux pas. Je sais, j'ai compris. Moi, mes amis ne me suivent pas. J'ai compris. Tu vois, merci. C'est Dieu qui voulait pas. Moi, mes amis ne me suivent pas. On va voir. Tu m'as pourtant bloqué de là. Non, tu ne dois pas me suivre. Tu ne dois pas faire votre station. Non, mais tu me dis. Non, je sais. Je n'étais pas comme ça. Il est passé, puis il était vu. Il est bloqué. Il va marrer ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Attends, tu as celui-ci? Oui. Oui, je les ai envoyés à la maison. Ils sont en train de venir. Ils sont partis faire compter la marchandise. Ils arrivent. Je finis mon. Tu as gardé ici? En bas, tu vas, derrière le comptoir. Tu te sers, hein, tu branches la machine et tu fais café. Moi, je pensais que tu avais beaucoup de dosages. Mais le gars, il donne les dosages. J'ai les dosages. Ah, moi, elle a fini mes dosages. On a fait comment? J'avais acheté 30 pour laisser ici. Ouais. Mais tu m'en rajoutes alors. Peut-être qu'il y en a encore, parce que je suis qu'elle a caché. Quand moi, il vient chez toi, tu me donnes le café. Quand tu viens chez moi. Oui, je suis en direct. Ils vont attendre. Hein. C'est quand même toi. Hein? Merci, merci, c'est vous. C'est la légende, c'est vous. Eh, bah, faut laisser les gens. La faut laisser les gens. Ah. Eh, pardon, faut nous excuser. Non, merci. Non, mes amis ne me suivent pas. Mes amis ne me suivent pas. Moi, je suis trop violente dans mon langage. Dans la vie de tous les jours, je ne suis pas aussi violente. Oui. Donc, quand moi, je rencontre très peu d'amis. Non, c'est mon ami musulman dont je vous ai parlé. Là, je vous ai dit que j'ai un ami musulman à Abidjan. Voilà, c'est lui. Il m'a envoyé à manger. Aïe. Non, moi, je ne blague pas. Je ne veux pas. Même mes enfants ne regardent pas mes vidéos. Il a reparti. Et vous dites souvent qu'une reine, non. Une reine, on te sert volontiers. Hein? On te sert volontiers. On te sert avec plaisir. Et c'est ce qui se passe. Je ne force pas. Je sais plus ce qu'il disait tout à l'heure. C'est mon sourire qui fait la magie. Avant, je n'aimais pas mon sourire. Hein. J'aime maintenant mon sourire jusqu'à. C'est pour ça que j'aime beaucoup sourire. Mais je crois que quand j'aurai 50 ans, mon sourire sera encore plus éblouissant. Ouais. Peut-être à 50 ans, c'est les gars de 15 ans qui vont me draguer. Je ne sais pas. Parce que plus le temps passe, plus ils deviennent jeunes. Ah, je sais pas. Je crois que c'est mon esprit qui les attire. Bonsoir, dame. Il y a des choses que si elle dit cela sur les directs, les gens vont se mal. Vous allez souvent éclater. Je sais que vous éclatez souvent les rires dans vos maisons quand vous m'écoutez, mais bon. Moi, j'aime la liberté. Je n'aime pas qu'on me stresse dans la tête. I'm a free spirit. I'm a free spirit. Ouais. Bénédiction divine. Ok. Sois la bienvenue. Tu m'as regardé quoi? Hein? Tu m'as rien regardé?
Tu as fait la liste quand même des produits. Oui, j'ai fait la liste. Ok. Donc, tu vas recenser. Donc, tu coches. Tu m'apporteras le papier plus tard, je vais te montrer. Comment créer une bulle avec nos guides? Non, ne vous compliquez pas la vie, la fortune. La spiritualité, ce n'est pas intuition. Je te vois là que comment créer une bulle avec nos guides? Tu peux te casser la tête. Parce que c'est tout ce que tu as vu sur YouTube. Quelqu'un dit que fais la bulle. Fais ça, fais comme ça là. Fais comme ça là. Vos guides vous guideront. Les pierres turquoises. Oui, j'en ai plein. Celle-ci, non, ce n'est pas les pierres turquoises ici. Le sel débloque aussi, bien sûr. Oui, je suis à Abidjan. Laisser. Parfois, tu veux prendre ton bain. Ils te disent que. Ajoute le miel. Ajoute ça. Fais seulement ce qu'ils te disent. C'est ça. Ça fait 2 ans que je vous enseignais la base du sel. Oh, fais le sel. Lis comme ça. Fais comme ça. Là, on a évolué. On a évolué. On est au niveau où tu entres dans ta douche est comme un laboratoire. Ton seau est comme. On demande que prends ça, tu fais tac, tu déposes, prends ça, tac, tu prends ça, tac, prends ça, tac. Tu ne sais pas pourquoi tu fais seulement. Ça, c'est là où je vous amène. Merci Audrey, tu peux me remercier. Audraquet, Adraquet, pardon. Tu me remercies de rien. Ce n'est plus les petits niveaux que. Oh, tu te laves au sel. Non, le sel, c'est quoi? On fait comment? Je fais souvent, hein, une fois par mois. Sors, tu n'es pas quitte de mon direct. Évoluer, level up. Level up. C'est quand on a ta douche comme ça, là, même ta ménagère, quand elle lave tes choses, elle arrive là-bas, elle-même, elle dit souvent que gars, c'est quoi comme ça? Oui, tu connais ce que tu cherches. Ma grand-mère paternelle, elle était voyante. Et j'ai grandi avec elle. À 10 ans, je suis allée de ce côté-là vivre. Et ma grand-mère avait des choses dans sa chambre. Willon, tu veux qu'on fasse un featuring? Eh bien, viens dans le live maintenant, on chante un peu. Hein? Si tu as une chanson que je connais, bien sûr. Ok? Tu me demandes à monter, je te fais monter. Donc, elle était voyante. Ce qui fait qu'elle avait toujours plein de choses. Sa chambre était... Je crois qu'elle est décédée, je ne sais pas comment ils ont fait, parce que je ne suis pas partie au Cameroun pour l'enterrement à ce moment-là. Mais elle avait tout plein de choses. Et elle avait une salle à la maison qu'elle avait, elle avait enlevé le ciment. C'était la terre. Et elle soignait là-bas. Donc, en grandissant, je voyais comment elle avait les enfants. Les gens venaient avec les enfants au quartier, elle les lavait. Oh, je m'en rappelle, il y a une nuit, là, un petit bébé qui est venu. On disait qu'elle voyait quoi là. Hey! L'enfant, elle est morte chez nous. Tchaï! J'ai eu les cauchemars sur l'enfant parce qu'elle est morte vers 2 heures. On ne pouvait pas sortir avec elle à 2 heures. On a dormi avec le cadavre. Ah! J'étais dans la chambre comme ça, là. Aïe! Ah, yeah. Non, le bracelet, si ce n'est pas les turquoises, non. Aïe! Grâce à mes conseils, tu ne tombes plus malade. Que ta maladie parte totalement. Prends le thé de désenvoûtement, tu bois. Les choses, le serpent, quand le moment va sortir, ça va te libérer. Le thé de désenvoûtement, c'est un produit que je vends. Bon. Donc j'ai grandi en voyant tout ça. Mais moi, je ne savais pas que j'allais faire ça plus tard. Oui, les Turcs, les Libanais, ils aiment beaucoup ça. On n'a pas accusé ma grand-mère d'avoir tué l'enfant. Quand ils sont arrivés déjà, c'était le dernier recours. Hein. C'était le dernier recours. Je me rappelle très bien de ces bébés-là. Elle était brune comme ça. Mince, elle avait un gros ventre.
Tes explications, tu ne les trouveras pas chez moi. Tu as compris? Je n'ai pas dit que c'est centre des explications ici. Je n'ai pas dit que c'est centre des explications. Va sur écrit, tu écris l'œil de Fatima. Sur Google, tu vas lire les vertus. Allez googler vos choses, s'il vous plaît. Œil de Fatima, tu vas trouver. Voilà. Et tu me laisses tranquille. Vous, les hommes, là, tu sais que ta copine te force pour que tu fasses le travail spirituel, tu ne fais pas, Kevin. Les hommes qui disent, oh, ma copine va faire pour moi. Vous attendez que vos copines vous forcent toujours de faire les choses. Moi, je vous connais. Je vous connais. Ouais, mais Mister, me pardon, achète le chargeur avant de rentrer. Demande à monsieur et non ton argent pour acheter. Ils achètent le chargeur, ils te donnent. S'il vous plaît, achetez le chargeur, vous donnez à Miss Teme pour qu'elle rentre avec. La bonne marque, s'il vous plaît. Tu veux me rencontrer, tu es au Cameroun. Je suis à Abidjan. Prends le numéro. Tu prends d'abord mes produits, tu utilises. Je ne rencontre pas les gens comme ça. Ok. Kevin, tu es le genre d'homme que ta femme te forçait pour que tu travailles sur toi. Tu ne travaillais pas, n'est-ce pas? Oui, parlez en privé avec mes assistants. J'ai donné le numéro. Parlez en privé. Les assistants vont vous guider. Tu wanda quoi? Quand elle te donnait les choses, tu ne faisais pas pourquoi? Soit c'est ta mère, soit c'est une de tes go. Beaucoup d'hommes aiment ça, non? Ils aiment ça. Ils ne font rien parce qu'ils disent que, oh, ma femme prie. J'ai une amie comme ça, non? Un jour dans le rêve, Dieu est venu me dire d'avertir son mari qu'il ne doit plus la déranger. Qu'il fasse attention. Parce qu'il ménageait beaucoup sa femme. Beaucoup. Et il disait toujours à ses amis que ah, ma femme prie, elle va prier pour moi. Elle va prier pour moi. Il boit, il fait des trucs. Tu caches ton kit fondation. Tu caches tes choses dans la chambre. Dans la chambre. Oui, oui, quand tu es dans une maison avec plein de personnes, tu finis ton kit fondation, tu déménages. J'achète, je vends les autres accessoires spirituels. Comment tu me demandes encore? Je ne suis pas là pour l'aide. Ne me demandez pas l'aide. Tu achètes un produit, tu fais ton travail. Tu payes, je travaille sur toi. Laissez-moi les affaires d'aide. Je vends les choses en dope. On vend les sacs comme ceci. Les sacs, les bracelets, les écharpes. Et je vais fabriquer tout prochainement. On fera des écharpes qu'on peut mettre sur la tête quand on veut prier. Non, on n'a pas encore alimenté ma bio. Hein. Non, non. Allez sur WhatsApp dans la galerie. Il faut que je dise ça aux gens là maintenant. Attendez. S'il vous plaît, monsieur Bell, il y a la galerie sur TikTok, la boutique sur TikTok. Veillez à l'alimenter. On a mis de nouvelles photos. Les produits qu'on vend, les bâtons de commandement, les bracelets, les kits, mettez tout ça dans la boutique, s'il vous plaît. Le numéro, c'est le 237. Mettez aussi dans la galerie de la boutique WhatsApp, oui. Donc, assurez-vous de faire cela demain. Ou vous confiez le téléphone à une personne de publication. Je crois que M. Okobe peut faire ça ici pour le téléphone de la Côte d'Ivoire. Il peut faire ça cette nuit. Vous faites aussi pour le Cameroun. J'aime suivre les endroits où mes guides me dirigent, ma chère Madame Reine. Monsieur Lionel Très-Courtois, ou madame, je ne sais pas si c'est un homme. Oui, vous voulez me parler en privé, prenez le numéro 237-693-50-2266. Voilà, et là vous pouvez demander. Il y a aussi un autre numéro dans la bio souvent. C'est le 237-680-71-0701. Et n'oubliez pas qu'il y a des arnaqueurs qui ont créé des faux profils avec mon nom et ma photo et qui vous écrivent. That's not me, ok?
as compris que le monde n'est pas comme on voit. Il ne fallait pas comprendre. Tu allais lire là, sur le calendrier des Badjounets. Donc, où d'ailleurs tous les jours. Fais ton travail, fais, tu ne fais pas. Fais ton travail, fais, tu ne fais pas. C'est toi qui vas confirmer. Tu vas faire des business, tu vas perdre les millions, tu vas comprendre. On dirait que je parle de toi, Kevin. C'est parce que je ne fais pas trop les gens. Je n'aime pas trop lire les gens. Je n'aime pas moi trop lire les gens. Quand ils voient seulement ton nom, on me montre les choses derrière sur toi. Avant, ils faisaient les directs où je faisais ça, non. Je ne fais plus, pardon. Quand ils me mettent en scène, tu veux écouter, tu écoutes. Si tu viens seulement parce qu'ils veulent te dire ton énergie, tu laisses. Parce qu'ils veulent te parler, tu ne vas pas changer. Donc, on va parler, tu ne vas pas faire. Tu ne vas pas changer. C'est pas maquillage, mamie, je tire mon visage. J'aime bien les massages du visage, ça me plaît beaucoup. Que parle d'abord, moi. Donc, tu ne me connais pas bien. Tu es nouveau sur ma page, Kevin. Je considère encore si elle doit te bloquer ou pas. Et je sais que tu ne vas pas acheter mes produits de toutes les façons. C'est une vie que tu peux sauver. Écoutez, ce n'est pas tout le monde qu'on sauve. Ce n'est pas tout le monde qu'on sauve. Il y a des gens qui ne veulent pas être sauvés. Vous avez suivi? Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les sauve. Et c'est moi ça. Tu t'es cassé pour quelqu'un, tu te casses, tu jeûnes pour la personne, tu Parce que celui qui va être sauvé, il a trouvé même le chemin. Parce qu'il a cherché. Vous êtes tombé sur ma vidéo, ce n'est pas par hasard. Si quelqu'un d'entre vous est tombé par hasard, vous pensez que c'est le hasard. Ne force pas ton mari pour qu'il m'écoute. Un jour, c'est lui-même qui va venir te dire, écoute la femme-ci, alors que tu m'écoutais là depuis. On ne force pas le spirituel. Beaucoup de choses ont commencé là-bas depuis longtemps. J'avais écrit sur le numéro de la page, la dame m'a dit qu'il n'y avait plus de consultation. Non, la dame t'a sûrement dit que. Il y a des périodes où je ne consulte pas. Quand la file d'attente est trop, parce que je ne consulte pas tous les jours. Je peux faire 7 jours, je ne consulte pas. Et si par jour j'ai des gens qui s'accumulent dans une liste d'attente, j'arrête. Par contre, tu peux prendre une lecture de cartes. Même les cartes, je ne les fais pas tous les jours. Parfois, je fais une semaine sans faire les cartes. Tu as conseillé à quelqu'un de m'écouter. Aujourd'hui, il confirme. Parfois, tu peux conseiller un dragueur de m'écouter. Le dragueur fait semblant. Il fait semblant seulement pour que tu lui livres le wella. Il fait semblant c'est la vaisselle parce qu'il veut que tu lui livres ça. Allez livrer. Oh, il écoute les lumières. Il est spirituel. Mouf. Il n'est pas spirituel, chérie. Il faut laisser ça. Il sait que c'est le passeport. C'est le passeport pour que tu lui ouvres ça vite. C'est la part de sésame. Pas de sésame. Ouvre-toi. Les cartes sont aussi fiables que la consultation. Les cartes, c'est une partie. C'est en partie. Même la consultation n'est pas complète. Tu peux consulter tous les 6 mois. Mais consultation, c'est pour donner la direction. Ce n'est pas pour te dire qui te bloque. Pourquoi la personne te bloque. C'est peut-être pour confirmer quelque chose que tu connais déjà. Je parle plus en confirmation. Vous, quand vous venez, votre adi praticien, quand il vous consulte généralement, hey, dis-moi quelque chose que je n'ai jamais entendu. Je consulte les gens qui sont déjà éveillés, ouverts spirituellement. On t'a déjà montré qui te bloque. Donc quand elle te parle là, ça te confirme vraiment que c'est une vidéo. C'est tout. Quittez vos choses là. Vous aimez tout faire.
tu n'arrives pas à voir les articles sur WhatsApp. Lily ne me dérange pas, pardon. Oh, tu en as un beaucoup. Oui ou non? Lily, t'as gagné. Tu es sur quel WhatsApp? Il y a deux WhatsApp que j'ai donné. Tu es sur quel WhatsApp? Parce qu'au moins sur un des WhatsApp, il y a. Tu viens rire, je vais te bloquer. Je te parle, tu ris. Est-ce que je suis en train de rire? Est-ce qu'elle fait de l'humour là? Tu me vois, je fais comme une comédienne. Est-ce que tu as vu faire des acrobaties? Je suis un clown là. Je te demande, tu es sur quel WhatsApp? C'est la raison pour laquelle je viens jamais dans le direct d'ici là au commentaire. Dire achetez, achetez, achetez. Celui qui va acheter mes produits va me chercher. Bon, on a terminé. Je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire par rapport aux instructions qu'ils vous ont données aujourd'hui? J'ai commencé par parler du quand le temps est là. Quand le temps est là. Même si vous ne m'aimez pas, je m'aime. Même mes enfants. Le jour où mes enfants font comme font, ils ne m'aiment pas. Moi-même, je m'aime pour eux. Si vous ne reconnaissez pas ma valeur, que vous portez dans mon ventre, c'était il y a beaucoup. Vous fouettez là-bas, c'était il y a beaucoup. Parce que j'ai des enfants que l'esprit est trop fort. Mes enfants sont trop intelligents. Mes enfants sont trop rusés. Tiens. Manipulateurs, sages. Il faut beaucoup de force pour vous corriger. Remerciez-moi. Mais oui. Vous ne m'aimez pas, je m'aime. Je m'aime, mon bâton. Je m'aime. Bien même. Bien même. Je m'aime jusqu'à mettre le cadeau dessus. I put the cadeau. I put the cadeau on my love. My love. My love. Le jour où tu vas te désabonner, je serai toujours là pour faire mes vidéos. Kevin, ne me dérange pas. Tu vas te sauver. Et puis quoi? Envoie ta photo, je te fais un lavage. Tu payes. Je ne fais pas du travail, soit gratuitement. Tu payes. Je te donne, te fais payer le double prix. Tu es quelqu'un que tu es censé avoir beaucoup d'argent. Mais tu es dur. Tu es dur. Tu es dur. Envoie 50 000 pour le lavage. C'est le prix normal, monsieur. Tu envoies ta photo. Je travaille sur toi. Si tu veux, tu n'envoies pas. Je vous ai parlé le temps opportun. Et j'ai résumé ce que j'ai dit aujourd'hui. Le temps opportun, c'est une chose, quand c'est le bon moment, ça se passe. Assure-toi toujours que quand tu lâches quelque chose, que tu as fait de ton mieux, Lord Désiré, bonjour. Depuis que tu utilises mes produits, tu vois des choses magnifiques dans tes rêves. Ah, c'est super. Le numéro est où? Kevin. Je bloque les gens comme les blagues. Tu vois, quand on a les films western, quand on tue les gens comme les blagues là. Piu, 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 là. Je fais ça, je tue moi comme ça. Je bloque comme ça, t'es dit. Ok. Donc, je continue. Quand le bon moment est là, vos choses vont bien se passer. Mais assurez-vous que quand vous arrêtez quelque chose, quand tu te fatigues, quand tu dis que tu es fatigué, c'est parce que tu as donné tout ce que tu devais donner dans la chose. Puis-je me permettre un conseil de sororité? Pour vous qui soignez votre visage. Lydia, je soigne même mon visage, mamie. Est-ce qu'il peut me donner ton conseil, mamie? Est-ce que je soigne même mon visage? Peut-être que je l'ai fait de façon régulière. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai la flemme d'aller au truc. J'ai la flemme d'aller faire le soin des visages. Mais comme c'est seulement le visage, là, l'argent passe d'abord en premier. L'argent, j'essaie de voir en quelle position je mets mon visage. Mais donne ton conseil. Moi, je continue. Assure-toi que quand tu arrêtes, quand tu t'arrêtes, que tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Jusqu'à tu as poussé jusqu'au bout. Deuxième chose. Maria, je ne te réponds pas. Quelle était d'abord ta question? J'ai trois téléphones devant moi. Avec 200 personnes connectées. Donc si tu penses que je suis en train de voir ton message pour me dire, oh, je ne vais pas lui répondre. Peut-être que je n'ai pas vu ton message. Non, je continue. Deuxième chose. Agissez plus souvent sur ce que
vos guides vous montrent. Oui, bientôt il y aura quelqu'un en France. Vous pourrez prendre les produits à partir de la France. Donc tu pourras commander les encens de la France, on va t'envoyer. Il y a des produits qui vont arriver à Paris dans quelques jours. Donne-moi tout, l'huile de blindage, l'huile d'attirance. Il y a le kit, il y a le nouveau kit qui arrive, le kit sirène. L'autre là, c'est le feu, c'est la chimamelure. Pourquoi je sonne la cloche, Maria? Si tu ne sais pas pourquoi je sonne la cloche, ferme tes yeux, tu vois ce que ça fait dans ton corps. Tu as compris? Je ne pense pas que tu dois me suivre. Le kit sirène. Le kit sirène. Tu es bloqué de partout. Tu viens me dire pour qu'elle fasse quoi? Il te bloque aussi. Oh, merci beaucoup, Lydia. De l'eau de rose. Que je laisse au frigo. Je ferai ça. Merci. Tu veux le numéro? Cherche sur ma page, Kevin. Tu veux pas chercher, tu laisses. Si c'est une fille que tu dragues, est-ce que tu chercherais le numéro de la fille? Comme ce n'est pas une fille que tu dragues, je ne donne pas. Cherche. Voilà. Kit sirène. C'est sur instruction de la reine. Hey, elle dit que répondez correctement. Maria, regarde comment elle te bloque. Voilà. Attends, je cherche comment te bloquer. Fais pas m'embêter. Buveuse de jus. Je me demande pourquoi ils sont dans la couche. Et puis quoi? Donc, tu penses avoir été intéressé par cela. Ok. Kevin, j'étais pas encore bloqué. J'ai bloqué la dame là. Elle avait mis le badge sur ma page. C'est comme si j'étais une abonnée, quoi, quoi là. Je vous bloque. Agissez sur ce que les guides vous disent. Agissez sur les instructions qu'ils vous donnent. Agissez. Je sonne seulement la cloche. La fréquence ne m'intéresse pas. Les cartésiens qui sont dans mon direct là, évitez. Hein. Évitez-moi. Voilà. Évitez-moi. Les hémisphères gauche là, sortez de mon direct. Le kit sirène dit ce que ça dit. Ce n'est que pour les sirènes, chérie. Le kit sirène n'est que pour les sirènes. Tu veux pas, tu laisses. Mes produits, hein. Soit ça te parle, tu achètes. Ça ne te parle pas, tu laisses. Oh, tarnan. Tu laisses. Ça ne se périme pas. C'est pas la nourriture de 24 heures. Oui. Tu laisses. Tu es amoureuse de moi. Tu souffres de cet amour. Beauté noire. Pourquoi tu t'appelles pas beauté blanche? Ça aurait été bien. Hein? Pourquoi, chérie? Tu m'aimes d'un amour comment? Eros? Amour Eros? Ou Agapé? Eros ou Agapé? Bonsoir Toko. Je n'ai pas encore essayé le lesbianisme. Peut-être si c'est Eros, on va voir. Chantal, bonsoir. Je suis une femme et j'étais... Dis-moi, tu es belle. Un beauté noir. Si tu es belle, tu me dis. Elle dit que je suis trop belle et sage. Et elle est une femme, mais, elle, mais je lui plais. Hé, hey, beauté noire. J'aime le plantain. Quand elle parle trop d'une condresse, là, ce n'est pas par hasard. Tu as compris?
Ne venez pas me chercher dans mes directs. Me condrait. Avec le planter qu'on vient de couper. Que la sève soit encore sur ça là. Les compreneurs ont compris. Voilà. Ne venez pas me chercher. Vous n'avez pas remarqué que je parle trop d'une compte dans mes directs. Je suis pas fort. Oh Seigneur. Enfin, je sais pas si je suis seul dans ma tête. Ah, on a été plusieurs. Nous sommes à beaucoup. Viens-moi le planter, mamie. Viens le planter. Maurice, que je choisis de répondre. Je réponds à qui je veux, non, mamie. Hein? Je réponds à qui je veux. Te voir sourire me consolera. Reste comme tu es. Je ne manque pas tes directs. Merci, beauté noire. Merci, tu es très belle. Dans une vie, on se serait enlacé. Dans une autre vie, peut-être. Mais il y a un film qui m'a fait... Ça s'appelle Sense8. Dans le film, là, la femme l'a accouché 8 enfants spirituels. Et quand ils se sont vus... Quand ils faisaient l'amour à distance ensemble, c'était trop... That movie was... C'était un truc spirituel et en même temps... Je trouve que c'était un peu débordé. Ouais, c'est pour ça que j'arrive pas à juger les gens qui sont qui sortent avec le même sexe. J'arrive pas parce que je suis sûre que quelque part ils trouvent leur compte. Et moi je fais partie de ça, c'est moi, hein, like you know, like whatever you know, whatever you like, just ça te plaît, tu es sûre? La couche dans les mots de tête. C'est normal, chérie. Ça provoque certains esprits qui sont en toi, qui ne sont pas bien pour toi. Cafouille, bonsoir. Comment tu vas? J'ai une dame qui m'a écrit l'autre jour. Elle me dit, ouais, j'ai des enfants. J'ai 40 quelque chose d'années. Et j'ai une amie qui est une très bonne amie. On a commencé à sortir ensemble. Et c'est comme si elle avait 13 ans. Quand elle a commencé à décrire le truc, je pouvais sentir l'énergie que sa compagne lui donne. Je suis très heureuse pour elle. Elle me dit, voilà, c'est encore nouveau pour moi, j'apprends à m'accepter, elle m'apporte tellement d'amour. C'est juste qu'il ne faut pas que ça devienne de la dépendance. Parce que parfois, quelqu'un peut sentir ton vide émotionnel, ton besoin d'amour. Et comme il t'apporte ça, il veut devenir ton Dieu. Ou il devient possessif. Assurez-vous juste que ça ne vit pas dans la possession, dans l'obsession, s'il vous plaît. Ok? C'est pour ça qu'en prime, en priorité, pardon, de prime abord, vous devez d'abord vous aimer. D'abord. Si tu donnes des cadeaux, que la priorité des cadeaux, ça aille chez toi d'abord. Essayez ça pour quelques jours. Hmm? Si tu dois faire un cadeau, que ce soit toi qui touches le plus de ton argent. Il ne s'agit pas de préparer la nourriture pour que tout le monde mange à la maison. Il ne s'agit pas d'acheter les habits ou les fournitures de l'école pour les enfants. Mais si tu dois faire un cadeau like single, un cadeau singulier à quelqu'un, que ça ne dépasse pas la valeur de ce que toi tu peux t'offrir. Ok? Ok? Steph, bonjour. Henriette, bonsoir. S'il vous plaît. Parce que j'ai eu souvent des personnes qui sont venues dans ma vie. Je travaillais énormément à cette époque-là ou à ce moment-là. Et pour le peu d'amour que la personne m'apportait, puisque je ne m'en donnais pas, ça paraissait comme si la personne en faisait tellement, alors que la personne n'en faisait pas beaucoup. Et du coup, c'est devenu un peu de l'esclavage. Tu travailles pour aller donner à la personne. Tu travailles pour lui faire des cadeaux. Et quand tu lui fais des cadeaux, oh merci, oh mon bébé, merci. Son merci devient ta récompense. Alors que tu aurais pu aller, si tu achètes le iPhone de 800 000, prends les 800 000 là, tu vas t'acheter un iPhone, tu t'offres.
le merci serait plus long. Je peux vous parler comme ça parce que c'est ce que j'ai fait, ok? J'ai même cherché l'approbation de mes enfants en essayant de leur donner trop de choses. Pour les enfants, ne dure pas. Les enfants sont les personnes les plus ingrates de ma vie. Ouais. Kids? Les enfants? Parce qu'ils savent que tout pour moi, ce sont mes enfants. Je ferai tout pour mes enfants. Je ferai tout pour moi. Je sais que les femmes mariées, là, vous écoutez, c'est un peu bizarre pour vous. I am sorry. I'll do anything for me. I will do anything for me. Souvent, mes enfants regardent mon statut. Parfois je voyage, je suis dans. Quand je sors, je sais pas. Parfois je poste rarement des choses un peu fun. Très rarement. Mais bon. Je me suis rendu compte à un moment que c'est comme s'ils étaient un peu jaloux de mon bonheur. Alors non. Pourquoi maman va manger chez Paul et ne pas avec nous? Pourquoi maman pas manger dans le restaurant là et ne pas avec nous? I'm like, what? What is it? Learning to love myself back. Mes enfants sont grands. Je ne stresse plus pour un enfant. Il va manger quoi? Il va... pardon. Préparez, vous me donnez l'image. Je travaille pour vous, non? Je travaille, vous mangez. Vous êtes logé, non? N'est-ce pas? Le frigo est plein, non? Préparez, mange. Si ce n'est pas bon, je laisse, je commande ma nourriture, je mange seul. Tiens, un dossier pour le voyage au Luxembourg. Ok. Les gens qui sont intéressés vont te contacter. Taking my freedom from my kids. Arracher ma liberté de mes enfants. Je reviens de loin, pardon. Je reviens de loin. J'ai encore du chemin à faire, bien sûr. C'est pour ça que quand un homme arrive dans ta vie, si tu as des enfants, il y a un peu de jalousie entre les deux. Parce que les deux savent qui t'exploite. Révélation. Oh, désolé, j'ai éclaté de rire, mais c'est like. Ouf. Les deux t'exploitent. Tes enfants t'exploitent, ton mari t'exploite. Seigneur, la femme et l'esclavage. Maman ne mange pas. Ça vous est déjà arrivé qu'on va chercher quelque chose de bon quelque part, on oublie pour toi, maman. On t'oublie, toi, la mère, parce qu'on sait que, oh, maman va me donner sa paille, il va manger. Ou tu fais un truc, un enfant n'est pas là. Quand tu rentres, il revient, il trouve ta paille, il veut prendre. Parce qu'il n'y avait pas pour lui, on n'avait pas prévu pour lui dans le tas qu'on comptait. Et là, il revient, tout le monde a servi, mais il n'y a pas sa part. La mère, tu fais quoi? Prends ma part. Ah, je suis désolée, mais vraiment, je ne pense pas qu'il faut que je me sacrifie pour quelqu'un. Qui que tu sois, même si tu es sorti de mon ventre. I will not sacrifice myself. I will live. I will live. I command me to live. I will leave. Yes. Yes, George. I command myself to leave. I will not die. Toute ton énergie chaque jour, c'est sur tes enfants. Ils vont manger quoi? Ils vont s'habiller comment? Il faut qu'à la fête, là, ils soient habillés comme ça. Il faut qu'on voit. Quand je parle, on dit que je suis mauvaise. Les gens qui disent là, s'ils n'ont pas porté un enfant dans ton ventre avec toi, qui te laisse tranquille? Oui. I command myself to live. Je vais vivre. I command myself. Yes.
C'est pour ça que ton gars et tes enfants ne s'aiment pas. Parce qu'on veut voir qui aura l'attention de la mère. C'est une énergie naturelle. Hein. Tu portes ton enfant, tu portes un autre enfant, ton enfant arrive, il voit l'enfant, là, il veut le pousser. Que non, elle doit me servir. Ma mère doit me servir. Hey, chai, Jésus. On est femme avant d'être mère, chérie. Oh, Shadon. Regarde comment tu parles, ça a le goût. Le goût de ça. Ça donne le goût. Hein, chérie? J'ai ma meilleure amie en Angleterre. Ce matin, on parlait. Et elle a... on se connaît depuis 2011. Depuis 13 ans qu'on se connaît. 13 ans. La seule fois où elle a voyagé, parce qu'elle était en Angleterre, elle n'avait pas de passeport. Elle ne pouvait pas voyager. Et vous savez que l'Angleterre, on peut parler quelque part. Tu ne peux rester en Angleterre. Donc, elle n'avait pas le passeport depuis... Elle n'a pas voyagé depuis 13 ans qu'elle arrive en Angleterre. Yes, I've watched Bridgerton. Yes, even the latest one. On the 12th of July, I was watching the stuff. Girl, come on. I'm always on point. So, depuis 13 ans, elle n'a pas voyagé. La seule fois qu'elle a voyagé, c'était pour aller en Sierra Leone pour le mariage de sa sœur. Donc, quand tu pars pour le mariage de ta petite sœur, tu es la seule personne de la famille qui est en Europe. Ça veut dire que c'est toi qui as financé la moitié du mariage. Donc, tu as d'abord beaucoup dépensé et tu payes ton billet d'avion. Elle n'a pas pu partir avec quelqu'un d'autre. OK? Parce qu'elle est partie seule. Elle ne veut pas. Voilà. Donc, elle a ses enfants, elle a son mari. Elle est partie. Et je sais que même le temps qu'elle a passé là-bas, ce n'était pas pour s'amuser. Il fallait qu'elle s'assure que tout le monde soit là à temps pour faire ceci. Oh, 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 oh. Quand maman est morte, c'est moi qui suis la mère. Il faut que ma petite soeur se marie bien. Donc, ce matin, je lui dis, son mari a déjà fait son passeport. Donc, finalement, il est parti en Belgique avec son fils. Et j'ai vu la photo sur son profil. Je dis, oh, that's nice. Après, je lui dis que tu sais quoi, mon rêve, c'est d'acheter un billet. Juillet, quand tu vas faire ton passeport l'année prochaine, là, je t'achète un billet. Tu vas en Grèce. Tu te tapes 3 jours de croisière sur un bateau, seul. Je vous assure, je suis sûr que son mari ne va pas accepter. Moi, je vous dis seulement, I'm just saying. Elle a trop donné aux gens. Même moi. C'est ma copine qui vous dit qu'elle achète son chaussure à ma fille, non? Et je suis Clarks, vous devez la connaître, parce que le jour où je vais la rencontrer, je vais mettre sa photo et c'est là, on va se parler physiquement. Vous devez dire, ah, c'est toi. Elle s'appelle Amy, Amina. Oh, Amina, c'est toi. Oui, c'est elle. Elle donne aux gens tous les jours. Elle donne. Elle donne. Je lui ai dit, dès que ton passeport sort, je t'achète le billet. Tout frais payé. Tu rentres dans l'avion, tu pars, tu enjoy, tu repars dans l'avion, tu rentres chez toi. Oui. Malheureusement, c'est la vie qu'on vit. Vous êtes esclave. Je t'accouche, je suis ton esclave. Je t'accouche, je suis... Repensez, s'il vous plaît. Pensez encore. Revoyez ce qui vous occupe, ce qui vous préoccupe. Je n'ai pas dit qu'on néglige les enfants. Hein. Je n'ai pas dit qu'on les néglige. Certains de vos enfants sont autonomes. Mais vous ne les laissez pas l'autonomie. Parce que même là, ils abusent. Bon. Je dois y aller. Passez une bonne soirée. Le sujet du live, c'est quoi? Papa, le live est fini. C'est maintenant que je vois ton commentaire. Désolé. C'est déjà fini, papa. Le live est fini. C'est maintenant que je vois ton commentaire.